On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, on aime bien cette entrée de Dr. Aké. Comme lors de la première partie de cette émission, nous entrons donc dans la quatrième partie de cette problématique extrêmement compliquée, mais de grande importance pour l'homme noir. La Bible, patrimoine de l'homme noir. C'est ici l'occasion pour nous de nous rappeler aussi qu'il s'appelait Simon Kimbangu et qu'à son époque, en 1921, s'il vous plaît, il déclencha un mouvement de réveil en faisant comprendre aux Africains que Jésus n'était pas la propriété des Blancs qui nous connaissaient aussi. On dit chez eux là-bas que pour la première fois dans l'histoire de l'homme noir, en Afrique centrale, en RDC et au Bas-Congo, quelqu'un fut guéri au nom de Jésus. Et du coup, ça avait mis en ébullition des villages entiers d'Africains qui étaient venus trouver guérison auprès de cet homme de Dieu extraordinaire qui, contrairement aux féticheurs de l'époque, guérissait instantanément au nom de Jésus, au point où les aveugles voyaient, les morts ressuscitaient, les paralytiques marchaient et tout ça. Mais mesdames et messieurs, l'histoire retient aussi que l'église catholique, l'église protestante, dès l'époque, en Soudan, s'était énervée, qu'est-ce qui se passe? Et s'était alliée avec l'homme politique pour le jeter manu militari en prison. Et l'histoire retient aussi, quand il s'en va avec des fers au poignet, aux chevilles, pour sa prison, pour 30 ans d'emprisonnement, le peuple crie au scandale, les villageois, mais vous nous laissez quoi en partant, papa? Et lui de dire, voilà la Bible, je n'ai rien ici, lisez-la et vous découvrirez le voleur et l'objet volé. C'est la problématique qui nous rassemble, on dirait bien, sur ce plateau, dans cette quatrième partie. Le voleur et l'objet volé, c'est signé Dr. King et Dr. Aké, ici à Pointe-Noire, la ville la plus noire du Congo. Justement, on dirait que c'est fait à dessein, que Dieu a voulu que ça soit tourné ici, parce que Dr. King, Dr. Aké, nous l'avions dit, nous vous avons averti. Ici, là, là, la pointe noire. Il y a la spiritualité la plus noire, la plus ténébreuse, non seulement du Congo, mais du monde entier. On dit qu'ils sont très dangereux, mais vous, visiblement, vous ne craignez rien. Parce que pas de gris-gris autour du cou, ou bien du poignet, ou bien de la taille ici pour vous protéger. Et nous arrivons, nous voyons déclencher des tsunamis au sein même de la ville océane. Sans crainte, ça nous rassure, nous nous cachons derrière vous. À la moindre alerte, nous disons, c'est pas nous, c'est eux. Ils nous ont seulement invités, on est venus. Nous disons ça pour que les gens comprennent de quoi on parle ici. Et dans cette quatrième partie, mesdames et messieurs, nous allons rapidement poser les questions, les trois questions qui restent, qui étaient prévues pour la première partie. Vos questions, on les leur pose, mais on va laisser à ces hommes de Dieu la latitude aussi d'exposer eux-mêmes, de vous dire, sans que nous nous mettions de croc en jambe, qu'est-ce qui se passe ici et quel est le message, quel est l'objectif opérationnel, qu'est-ce que nous devons comprendre, quelle doit être l'attitude idéale. Tout ça va se déverser ici aujourd'hui pour que nous sortions de notre coma qui a par trop duré et pour que nous retrouvions la lumière, nous revoyons la lumière. Le Christ disait à son époque, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, Dr. King, Dr. Aké, on fait rapidement pour les trois questions, parce que les téléspectateurs en avaient envoyé une trentaine, hein, mais les trois questions, ça veut dire les questions 11, 12 et 13 de la première émission, on va vous les poser. Quelqu'un dit ceci, hein, il vous a suivi avec attention. Et puis quoi encore? Même si la Bible est notre patrimoine, qui gagnons-nous le fait de le savoir, de le reconnaître? C'est vrai que vous l'aviez déjà expliqué,
Mais la répétition est la mère des sciences. On ne sait jamais quelqu'un peut avoir pris le train en marche seulement dans cette quatrième partie. Est-ce que ce patrimoine se mange? Voilà la question que vous avez posée. Pour que vous le réclamiez comme ça. Docteur King, Docteur Hakim, rapidement, parce que vous aurez à exposer librement. On vous écoute. Oui, mais le patrimoine, la question qui se pose, est-ce que ce patrimoine-là se mange? Est-ce qu'il est important? D'abord, quand on parle patrimoine, c'est votre héritage. Ah, quand vous le perdez, il faut le réclamer coûte que coûte. Parce que ceux-là qui se sont accaparés... Oui, mais si l'héritage en question est en réalité une culotte trouée, ça ne sert à rien. En quoi c'est... Oui, mais la Bible, quelle est la valeur de l'héritage qu'on réclame à corps et à cri ici? Si c'est un lopin de terre encore, ça c'est bien. 1000 hectares qu'on a légué à l'homme noir, c'est bien. Mais ici, il s'agit de la Bible seulement. Bon, si c'est l'équivalent d'une pantoufle mouillée, on ne voit pas en quoi ça va servir à l'homme noir. Alors, c'est ça, c'est pour qu'on veut savoir. Et puis, quoi encore? La dernière fois, nous étions avec le docteur Ake, pour un entretien avec le professeur Théophile Obenga. La seule chose qu'il nous a dit était que il était étonné de voir les pasteurs orienter leurs enseignements dans la direction du relèvement de l'Afrique. Et il s'est posé la question, le christianisme, c'est-à-dire le blanc, en s'appropriant de la Bible, qui est notre patrimoine, ont développé l'Europe. La même Bible, par le christianisme, a produit les États-Unis d'Amérique. Avec la même Bible, ils ont fait face à l'invasion islamique. Vous voyez? Donc, ils ont utilisé la Bible, qui n'est pas leur patrimoine, mais ils l'ont utilisé pour être supérieurs. Ils ont imposé la civilisation aux quatre coins de la terre. Vous voyez? Donc, et la question qui s'est posée, pourquoi la Bible en Afrique semble appauvrir l'Africain? Pourquoi le christianisme n'arrive pas à aider les Africains? Vous voyez? Effectivement, c'est parce que le protocole qui a été utilisé de cette Bible et du christianisme en Afrique est un protocole occidental. Vous voyez? Elle a été manipulée dans le sens de nous assujettir. OK? Et du coup, il y a une tendance, lorsque vous la portez pour le salut, pour vous, les Kamites, déjà une réaction que elle ne nous appartient pas. Mais voyez que tu as cité que le prophète Simon Kimbangu a dit de s'attacher, de consulter la Bible, et c'est en consultant la Bible que vous allez découvrir le voleur et l'objet volé. Donc, ce prophète était déjà averti par l'Esprit Saint que la Bible était un patrimoine de l'homme noir. Exact. En fait, ceux-là qui amènent cette Bible, ils l'ont volée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le pays où coule le lait et le miel n'existe pas. Il n'y a pas un pays où il y a une fontaine de miel. Le lait et le miel. Il n'y a pas une fontaine de miel. Sinon, chacun irait remplir son verre. Voilà. Mais ce sont des lois qu'il faut appliquer, vous voyez. Cette même Bible peut nous amener à se lever. Cette même Bible peut nous amener à gagner. Cette même Bible peut faire que nous puissions nous développer. Puisque la preuve, c'est que Salomon, par le savoir qu'il a demandé du Très-Haut, la Bible dit que son royaume a été affermi. Donc, si les Occidentaux ont utilisé la même Bible pour nous dominer, ça veut dire qu'il y a les clés dans la même Bible qu'on peut utiliser pour se défaire de cette domination et reprendre notre leadership. D'où nous sommes en train de graviter sur Ésaïe 19, qui annonce le rabaissement. Personne ne doute que la prophétie d'Ésaïe 19, le verset 1 jusqu'au verset 17, parle du rabaissement de l'Afrique.
Ah non, c'est clair. Maintenant, le verset 18 jusqu'au verset 25 parle du relèvement. Et il n'y aura pas relèvement s'il n'y a pas des messagers pour enseigner la promesse du relèvement qui se trouve dans la parole de Dieu. Pour en faire prendre conscience. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. De une parole aussi, une promesse qui parle que l'Afrique doit se relever. Et il faudrait que les Africains entendent cela. Pourquoi ça dérange autant des Africains quand on leur dit que l'Afrique va se relever selon la parole de Dieu? C'est ça la grande question. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Quand vous avez dit que vous êtes maudit, la malédiction de Cam, tout le monde a cru. Parce que c'est la malédiction. Mais ici, on parle de vous là. Comme le Seigneur est venu, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais voilà pourquoi les pauvres, ils ont entendu qu'il y a quelqu'un qui est venu avec la bonne nouvelle pour nous les pauvres. Et chacun s'est aligné. En peu de temps, il atteint 5000 adeptes. Parce que c'était une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, il y a une bonne nouvelle pour l'Afrique. C'est Ésaïe 18, le verset, Ésaïe 19, le verset 18 jusqu'au verset 27. On parle là de la guérison de l'Afrique. Ça, ça devait pousser tout Africain d'aller acheter sa Bible. Et s'il faut lire matin, midi, soir, cette écriture-là, mais ça arrange parce que là, ça parle de nous. Ça parle de notre bien-être. Voyez? Mais d'où vient-il que ce qui va dans le bon sens de votre vie, vous devenez même hostile? En effet, je n'arrive plus à comprendre, en fait. S'il y a des gens qui devaient accueillir avec joie ce message de la restauration de l'Afrique, c'est les Africains. Dr. King, à leur époque, Aimé Césaire, Cheikh Konta Diop et les autres ont rassemblé la poussière du sol à l'image du Seigneur. Aujourd'hui, vous apportez le souffle de vie pour que l'homme devienne une âme vivante. Mais eux, si Cheikh Konta Diop était là, il dirait, mon fils reste tranquille. Parce qu'à son époque, les plus têtus, les vrais détracteurs, c'était des négros comme lui. Ouais. On lui posait la question de savoir, professeur, ce que vous dites là, que vont penser les blancs? Il dit, donc la vérité est blanche, quoi. C'est-à-dire, nous on découvre la vérité, mais vous me demandez que vont penser les autres, les blancs là-bas. C'est comme si c'était le thermomètre de la vérité, le cœur. Et le compas, même si on sait à qui appartient le cœur et le compas. Donc, sans qu'ils s'expriment, Dr. King et Dr. Ake ne peuvent pas venir délivrer la vérité. Et voilà les intellectuels africains barbés de diplômes qui attendent ça, de l'équerre et du compas des autres. Mais attendez, achetez des équerres et des compas. Venez ouvrir la Bible avec eux ici, décryptant les Écritures. Pour vérifier s'ils disent ouvrir ou pas. Sinon, Dr. King, Cheikh Konta Diop, est parti avec l'amertume dans le cœur. Oui. Non pas que les blancs ne le comprenaient pas, non, mais les frères. Irréductibles, c'était ses propres c'est frères. Évident, donc, c'est évident. Disait, mais là, il n'y a rien de tenant à c'est votre évident. Indignation. C'est évident. Alors, Dr. Merci Ake. Beaucoup. Voyez-vous, qu'est-ce que la Bible nous apporte? Comme vous l'avez posé la question. Oui, est-ce qu'on peut... Si la Bible est une, un patrimoine de l'homme noir, des épices, est-ce qu'on mange la Bible? Je vais vous dire une chose. Parce que nous, on a faim et on a soif. Oui. Liberté ou captivité, cela dépend d'une clé. Ah. C'est avec une clé qu'on met quelqu'un en prison. Sinon, sans la clé, vous rentrez dans la prison, c'est une porte seulement, vous dépassez, vous rentrez, vous ressortez, vous n'êtes pas en prison. Ce n'est pas le bâtiment qui fait la prison. Non, non. Ce n'est pas la porte qui fait la prison. Mm-hmm. C'est la clé qui fait la prison. Et donc, la liberté également ne vient pas, ce n'est pas le bâtiment qui libère. Non. Ce n'est pas la porte qui libère, c'est la clé qui libère. Et vous savez que, avant d'arriver à l'acte, on pense d'abord. Et après la pensée vient la parole. Mm-hmm. Et après la parole, on concrétise la parole par l'action. Donc, la pensée est la mère de l'action. La pensée, nous pensons premièrement. Et quand on pense, on prononce ce qu'on pense, ça devient la parole. Et quand la parole sort, la parole ordonne l'action.
La Bible, d'aucuns diront non, mais c'est un papier plein d'écriture. Mm. Est-ce qu'on mange cela, comme vous venez de le dire? Est-ce qu'on peut mettre, couper de l'oignon et des épices et puis mettre dedans pour manger? Non, on ne mange pas. Mais la Bible, c'est la racine de la pensée positive, de la bonne pensée qui produira la parole, qui ordonnera l'action. Madame Ngambe dit que c'est le code de l'homme. Merci. Et je l'ai souvent dit, quand quelqu'un est malade, qu'il va devant un médecin, le médecin l'examine, après l'examen, il lui prescrit une ordonnance. L'ordonnance amène ce dernier à la pharmacie. Et il achète un produit selon la recommandation de son médecin. Mais quand vous achetez un produit, n'importe quel produit vous achèterez dans une pharmacie, quand vous ouvrez la boîte de l'emballage, il y a un petit papier qu'on met toujours qui accompagne le médicament. Très important. Et ce papier, quand vous le déroulez, il y a une partie très importante que si vous manquez de lire, au lieu que le médicament vous donne la santé, ça vous tue. Ah, c'est clair. On appelle cette partie-là la posologie. La posologie vous donne combien de comprimés vous devez prendre et combien de fois par jour et combien de temps de fois dans le temps pour parvenir à votre guérison. Si c'est un médicament liquide, la posologie vous dira combien de cuillères vous devez prendre par jour, espacer de combien d'heures et faire le traitement durablement en combien de temps pour être guéri. Si la posologie vous prescrit 2 comprimés par jour, un le matin, un le soir, et que vous trouvez que non, vous êtes trop grand de taille, trop gros, et que vous avez besoin de prendre 5 ou 10 le matin et 10 comprimés le soir, je vous assure que les 10 premiers comprimés, vous n'aurez pas le temps de prendre les 10 autres le soir, que vous êtes dans le cercueil. Les gens viendront à vos funérailles. Ça veut dire quoi? Que le médicament fabriqué par l'être humain, il met une posologie qui accompagne chaque médicament. Dieu a fait l'homme. Dieu, nous sommes la création de l'homme et de Dieu. Nous sommes la création de Dieu. Quand Dieu nous a créés, Dieu nous a accompagnés d'une notice. La notice pour que nous vivions bien. La notice pour que nous évitions les maladies. La notice pour que nous évitions la mort. La notice pour que nous évitions la malédiction. Que nous évitions la souffrance. Que nous évitions, je ne sais pas encore, la pauvreté, la misère et toutes ces choses-là. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la notice qui conduit la vie de l'être humain. Et nous sommes en train de dire à nos frères et sœurs africains que cette parole de Dieu, en réalité, quand Dieu l'a prescrite, il l'a confié à un être noir. Israël est noir. Et par conséquent, nous sommes les bénéficiaires de cette parole. Et non seulement ça, nous sommes les héritiers. Un héritage, quelle que soit sa qualité, c'est le vôtre. Même si c'est un patron trouvé, comme vous avez dit. Oui. Si ça vient de votre père, vous le prenez d'abord. Et si moins, quand vous le laissez d'abord, vous c'est le prenez, héritage. C'est votre héritage. Même si c'est une pantoufle mouillée, c'est votre héritage. Vous allez d'abord le récupérer. Et après, vous réfléchirez. Même si notre estomac ne peut pas supporter, laissez-nous d'abord manger. On va manger. Que nous mangeons d'abord. Maintenant, s'il y a des mots après, là, c'est nous. Alors, c'est ce que je recommande à nos frères africains, qu'ils comprennent. La parole de Dieu a bâti l'Europe, comme mon frère vient de le dire. C'est la même parole de Dieu qui a bâti l'Amérique. Qui a élevé ces gens-là au-dessus de nous. Et aujourd'hui, si la parole de Dieu est dans nos mains et qu'on se rend compte même que c'est d'ailleurs notre patrimoine, la seule chose que nous avons à revoir, c'est de revoir le protocole que les Occidentaux ont utilisé quand ils avaient cette Bible en leur possession. Ils ont utilisé un protocole adapté à leur réalité. Et nous, Africains, nous devons avoir un protocole adapté à notre réalité, à nos propres réalités, qui ne dévie pas de cette parole de Dieu. Surtout encore que cette parole contient nos mœurs à nous, contient notre propre culture à nous. Cela devient encore plus facile parce que dans la Bible, par exemple, il est interdit de commettre l'inceste. Il est interdit de commettre l'adultère, il est interdit de faire l'homosexualité, il est interdit de faire la bestialité.
Ça a été plus difficile pour les Blancs d'appliquer ça parce que eux, ils n'avaient pas ces interdits-là dans leur culture. Mais nous, Africains, c'est notre culture. On est nés dedans. On est nés dedans. Cela nous dégoûte d'ailleurs même que, qu'on connaisse la parole de Dieu ou pas. De faire allusion à ça, sans ça nous retourne le cœur. Sans lire la Bible, aucun Africain réel et digne de ce nom, ayant sa tête sur les épaules, n'a jamais aimé l'homosexualité ou la bestialité et toutes ces choses. Donc déjà, nous avons un atout. Bon, vraiment, comme on a d'autres questions, je veux m'arrêter là pour permettre qu'on avance. Le temps est contre nous. Mesdames et messieurs, c'est ici l'occasion pour nous de nous poser cette question. Si jamais la Bible en question, l'héritage volé, l'héritage que nous avions perdu, mais qui en réalité nous avait été volé, que Dr King, Dr Ake réclame à corps et à cri, si c'était inutile, pourquoi le président des États-Unis d'Amérique même prêterait-il serment sur la Bible? Merci. Un livre inutile, fabriqué de toutes pièces, qui ne sert à rien. Pourquoi l'homme le plus fort du monde devrait-il prêter serment pour rassurer les siens sur la Bible? Et aujourd'hui, on dit que même si nos chefs d'État nous se foutent de cette Bible et prêtent serment sur autre chose, mais c'est notre patrimoine. Et lorsqu'il y a eu le vent de la perestroïka, avec tout ce qui va avec, conférence nationale souveraine, à ce moment, tous les hommes politiques sont très déchirants, avaient décidé que des hommes de Dieu, des hommes en soutane avec leur Bible, soient au présidium. C'est des politiques qui se battent, mais tous ils ne se font pas confiance, il faut des hommes de Dieu. Et la Bible doit être ouverte pour que nous puissions bien discuter. Pourquoi? Si c'est inutile. Et on se rappelle bien, feu Monseigneur Ernest Combo, président du présidium ici chez nous, qui disait, rappelons justement cette parole de Dieu pour donner le code de conduite. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne mentiras point. Tiré de la Bible pour apaiser les tensions. Et c'est ce que les despotes tout ont fait partout au Bénin, là où ça va déclencher le vent de ces conférences nationales. Donc aujourd'hui, le grand problème de négro que nous sommes, c'est de mépriser son héritage même. Et de poser la question bête, est-ce que ça se mange? Voilà une question bête. Parce que quelqu'un avait dit, la question est une partie de l'intelligence et la réponse en est l'autre. Alors, Dr King, on va faire vite avec Dr Ake, parce que le temps est contre nous. Nous avons deux autres questions, vous allez répondre rapidement seulement. Pour que vous ayez au moins le temps de vous déployer librement pour vous exprimer au peuple de Dieu. Quelqu'un dit ceci. Est-ce que la délivrance de l'homme noir, la délivrance partant par ricochet du continent, ne viendrait pas plutôt de l'homme politique et de l'Union africaine? Pourquoi vous arrivez comme ça là, avec votre Bible, comme pour reprendre en main le destin de tout un peuple? Alors qu'il y a l'Union africaine, alors qu'il y a les hommes politiques, de grands présidents dans ce monde, et vous n'êtes même pas chef du quartier chaud. Alors comment vous pouvez revendiquer comme ça là? Ou encore, pensez un seul instant que vous pouvez, Bible en main, redresser tout un peu. Ben, je crois que le docteur Ake avait signifié dans l'émission précédente que le chef, les dirigeants devaient écouter pourquoi les délégués du royaume du roi Léopold II ont été des prêtres et des pasteurs, et qui ont reçu des mandats bien précis, comment ils devaient amadouer, abrutir. En tout cas, on leur avait fait comprendre qu'il faut tordre les Écritures oui. pour asservir ce peuple-là, oui. pourquoi, qui déjà connaissait Dieu. Pourquoi n'avait-il pas envoyé directement les militaires pour oui. les mater, tout ça? Voyez? Ou les députés. Les députés ou les sénateurs. Parce que les présidents des partis politiques. La sacrificature est au cœur de la moralisation, de l'éducation d'un peuple. Voilà pourquoi dans la Constitution, il y a des alinéas du ministre du culte. Voyez? C'est parce que, bon, aujourd'hui, c'est que le prédicateur, le pasteur, lorsqu'on veut faire
un skate qui marche, bon, on montre ce que font les pasteurs aujourd'hui. Mais vous voyez que le discours que nous tenons ici va au-delà de ce qui se passe dans les églises de tous les jours. Donc, la moralisation, hein, la discipline, l'éducation d'un peuple passe par le culte. Et lorsque l'on parle du développement ou de ce qui a fait l'Europe, c'est d'abord le prêtre. Autour ou à côté d'un roi, il y avait toujours un prêtre qui était là, qui formait le roi. Les reines, les princesses, on les mettait au couvent. Donc l'éducation partait à partir de la Bible. Voilà pourquoi en Israël, ça basculait. Lorsqu'il y avait un roi qui était bon de la part du Seigneur, c'est qu'il y avait un sacrificateur qui l'avait influencé. Et si c'était un mauvais roi, vous verrez aussi qu'il a eu une mauvaise éducation depuis la base. Donc, ne sous-estimez pas, n'ignorez pas la responsabilité ou la mission du culte, la mission de la sacrificature. Parce que lorsque la sacrificature, elle est affaiblie, sachez-le bien que vous aurez des mauvais comptables. Ah oui, c'est des clair. Mauvais autorités, des mauvais policiers, tout ça. Mauvais administrateurs. La majorité, ils sont passés à l'école de dimanche. Ils ont fait du catéchisme. Donc, si on les a transmis des mauvaises bases, c'est le prix tergal. Mmh. Au sommet, là-bas, il n'y aura pas de crainte. Mais si la base a été bonne, tenez-vous tranquille. Les générations qui viendront, qui seront éduquées selon le revers du midi, ils seront des bons comptables avec une conscience que effectivement ils sont là pour l'Afrique. De bons députés, de bons maires des villes, de bons ministres. Effectivement, parce que des bons présidents, parce qu'ils auront le taux élevé du panafricanisme. Mmh. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? On a compris. Et ça va de pair avec le rôle que joue le Lévi. Voilà, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, la première des choses, quand il rentre, il ne va pas faire le désordre dans la maison d'Hérode. D'ailleurs, il n'y est pas même allé là-bas. Mais il est venu premièrement pour vérifier ce qui se passait autour du culte. Et c'est là qu'il a vécu ce bazar. Voilà. Il est venu pour purifier le temple. Parce qu'il savait que si le temple est purifié, la cité serait purifiée. Donc, nous avons une grande responsabilité d'éduquer, parce que le reste ne viendra que par la suite. Très bien. Docteur Hake, on imagine bien complément d'objet direct. Bien sûr, mon complément d'objet direct, je dirais également, effectivement, moi je vais commencer un peu plus haut. Je vais commencer en Égypte. En Égypte, les pharaons, pour être pharaon, il fallait être préparé par quelqu'un qu'on appelait le divin père Aï. Le divin père Aï. Vous avez bien compris ça. En français, divin père, divin. Divin père Aï. C'est-à-dire, il était le supérieur de tous les prêtres égyptiens. Si vous voulez comprendre, celui qu'on a appelé en Israël le souverain sacrificateur. C'est-à-dire. L'équivalent en Égypte. Oui. Le souverain sacrificateur. Oui. Le grand prêtre. Le grand prêtre. Après Dieu, c'est lui. Et c'est lui qui était le père des pharaons. C'est-à-dire tout pharaon qui devait venir au trône, c'est lui qui était chargé de le former, c'est lui qui devait l'introniser, c'est lui qui devait guider le pharaon. Le pharaon avait des conseillers, mais lui, sa parole était un ainsi dit le Seigneur. Quand lui venait, c'est lui-même qui a été autour d'Akhenaton. Le divin père Aï. Bien, si vous prenez ce modèle-là, puisque Moïse a été formé dans toute la sagesse des Égyptiens, selon Actes 17, Actes chapitre 7, le verset 22, Moïse qui sort de l'Égypte sort avec cette connaissance, avec cette méthode, avec ce protocole. Et il va prendre cela jusqu'en Israël. Et vous allez voir que il y a les prêtres, mais il y a le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le plus haut de tous les prêtres. Et celui-là, les rois lui obéissent. Les rois lui obéissent, c'est-à-dire il parle au roi et le roi fléchit. Et
Il y a en Israël celui qu'on appelle le prophète. Si vous remarquez, chaque roi qui est venu en Israël, il avait à ses côtés toujours un prophète. Nous lisons ça dans la Bible. Bien. Vous allez voir que Saül qui a failli et qui a été rejeté de sa royauté par Dieu, quelle était sa faille? Sa faille, c'est d'avoir désobéi au prophète de Dieu. Le prophète était chargé de venir là et de faire le sacrifice à l'Éternel avant que le Saül puisse aller en guerre avec son armée. Et Saül n'a pas patienté parce que le prophète traînait les pas pour venir. Il tardait, il était en retard. Et le peuple faisait la pression. Pression, pression. Et Saül a eu peur de la population et il a désobéi au prophète et il a fait le sacrifice en lieu et place. Et quand le prophète arrive là, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, mais j'ai vu la pression du peuple, j'ai eu peur du peuple et j'ai fait le sacrifice. Il dit, mais ce n'était pas ton rôle. Alors, puisque tu as fait ça, l'Éternel te rejette aujourd'hui du trône en tant que roi. Il a beau pleurer, ça n'a pas changé. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Pourquoi aujourd'hui, excusez-moi, nos dirigeants, les dirigeants des pays africains, sont tous dans les loges, pour la plupart d'entre eux. Ils sont dans les loges francs-maçons, de Rose-Croix et tout ça. C'est parce que cette prêtrise a failli. La prêtrise sacrificielle a failli. Ils ne voient plus la puissance que ces gens-là avaient. Ceux-là qui avaient encadré les Salomon, ceux-là qui avaient encadré les David pour qu'ils soient les bons rois. Vous touchez là un point très important. Ils ne trouvent plus ces hommes. Ils ne voient plus rien. Ils ne voient plus ces hommes de Dieu. Les prophètes dans le temps. Voilà. Ces hommes de Dieu encore conscients qui peuvent regarder le roi pour lui dire ta décision n'est pas juste. Même si tu dois me mettre à mort. Mais on a des prédicateurs et des pasteurs qui tournent à la présidente pour prendre les enveloppes et les empocher et puis dire ce que le roi veut entendre. Mais il y en a qui se sont battus juste à la sortie de la présidence. Pour partager le butin. Ils ne sont même pas allés se battre loin, mais à deux pas de la présidence. Bon, voilà. Au point où le président de chez nous a vu, a été témoin. Et... Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, ça a été aussi le cas. Dans un stade, où le président a remis une enveloppe, et les responsables religieux ont commencé à se battre sous les yeux des caméras. Mmh. Et l'autre a dit, mais est-ce que tu me connais? Je suis un ancien brigand. Et c'est sorti sous les yeux des caméras. Et l'homme de Dieu, bon, avant que vous continuiez, en RDC même, Denis Lessie, homme de Dieu aujourd'hui dit, ah non, ce n'était pas Kabila. Il avait donné tous les moyens aux hommes de Dieu. Il nous avait appelés, il nous avait réunis. Voilà les moyens, prier pour le pays. C'est nous-mêmes qui nous étions entretués alors devant cet argent. On vous laisse continuer. Alors donc, vous voyez que la solution ne peut pas venir des politiciens, ni encore de l'Union africaine, parce que l'Union africaine, l'Afrique leur a donné le temps, suffisamment de temps, depuis 1960. Depuis 1958, ça tourne en rond. On leur a donné tout le pouvoir pour décider. Ils n'ont rien fait. Excusez-moi, je vais dire quelque chose de très important. Nous sommes en 2021, décembre 2021. Le siège de l'Union africaine se trouve logé dans un pays africain appelé l'Éthiopie. Et l'Éthiopie est attaquée, ça fait plusieurs mois. Avez-vous entendu un seul chef d'État africain faire un discours? Silence radio. Silence. Votre siège est attaqué par des rebelles. Votre siège. Et ça ne dit rien à personne. Nous sommes dans quelle Afrique là? Le centre névralgique du continent. Le centre même du le lieu de décision de toute l'Afrique est attaqué. Silence total. Et silence total. Ni aucun président, ni le président du Conseil des présidents, comme on les appelle même. De la Commission de l'Union africaine. Commission de l'Union africaine, ni le secrétaire général, personne ne fait un discours, ne serait-ce que même pour dire je condamne, comme on le sait. Comme quand ils veulent, s'ils ont trop fait, nous condamnons avec la dernière énergie, sans jamais condamner. Voyez-vous, pourquoi? Donc vous comprenez que. On a laissé, ils ont pris tout le temps, ils n'ont rien produit.
Ils ont produit des francs-maçons, ils ont produit des Rosicruciens et tout ça, mais rien n'a changé. Nous sommes allés de mal en pire. C'est le temps que ces gens-là reviennent à ce qui était. Car ce qui était, c'est ce qui sera. Et Dieu ramène ce qui est passé. Donc le message les concerne aussi. Le message concerne tout le monde. Ah. Nos chefs, nous les aimons. Nos responsables, nous les aimons. Nos dirigeants, nous les aimons. Nous, je veux même dire quelque chose qui est beaucoup personnel. Je veux dire d'ailleurs que longtemps, l'Occident a manipulé l'Afrique, la jeunesse africaine, pour dire vos chefs d'État sont des dictateurs, ils sont des dictateurs. C'est eux qui vous affament. Voilà, etc. Et on a passé notre temps à les lapider, à les insulter. Oui. Mais moi, je dis maintenant à cette jeunesse que bien au contraire, nos chefs d'État, nous devons les soutenir maintenant. Parce que si nous manquons de les soutenir, ils manqueront de courage d'affronter le vieux maître, c'est le clair, bourreau. C'est clair. Mais si nous commençons à les soutenir, à les fortifier, je crois que... À les rassurer, alors ils prendront leur courage et ils vont arracher notre indépendance pour nous la donner. Je crois que c'est ça. Et nous n'avons pas... amène à ça aussi. Ça nous aide où? Quand on change, chaque 5 ans, on change un président pour dire qu'on a l'alternative. C'est même pas notre culture. C'est même pas notre culture. Un homme qui vient en 5 ans, il va faire quoi pour la population? Excusez-moi, que les politiciens m'excusent, mais moi je dirais, même un homme peut faire 20 ans, 30 ans au pouvoir. S'il fait bien, nous on le soutient. Tout le peuple va prier qu'il reste. On soutient ça. On le soutient. Salomon a fait 40 ans. Ah. David en a fait 40 ans au pouvoir. C'était la voix de Dieu. Et Israël était bien. En tout cas, Israël a atteint son âge. Ni à Salomon, ni à David, 2 fois 5 ans. Israël a atteint son âge d'or sous Salomon. Et Salomon a fait 40 ans. C'est la monarchie. C'est la monarchie. Ce n'est pas le système de Dieu, c'est la monarchie. C'est la monarchie. Donc, normalement, c'est ça notre culture. Alors, voilà. Les hommes de Dieu font qu'un jour. On a une émission spéciale pour voir un peu de près cette démocratie qui nous a été imposée. Comme si l'Afrique n'était pas démocratique. Alors que la démocratie, dans tous les villages, même les plus reculés d'Afrique, elle était déjà là avant que les hommes en soutane apparaissent ici. Parce que ce n'est pas eux qui ont planté les arbres à palabres. Ce n'est pas eux qui avaient initié les grands conseillers autour de nos rois. Non. Il ne faut pas qu'on nous fasse passer pour des abrutis qui n'avaient pas de civilisation. Alors, Kalala Omotunde aujourd'hui dit la civilisation même, elle est d'origine africaine. Ça vient de chez nous, ça vient de nos ancêtres, de nos grands-parents, même s'il ne leur restait qu'une seule dent. En tout cas, ils avaient toute la sagesse du monde pour être sages et civilisés. Alors, l'homme de Dieu, maintenant, au point où nous en sommes, quelques encablures seulement avant d'atterrir, nous allons grappiller quelques minutes pour vous permettre à chacun de se déployer librement en 10 minutes au moins à chacun, comme si vous étiez le monde entier vous suit, tout le monde est tout oreille, tout yeux grands ouverts comme ça. On vous écoute. Si vous étiez permis, que diriez-vous? Parce que la 13e question ici, justement, vous donne cette latitude. Quelqu'un dit, puisque la révélation est enfin arrivée, la Bible est plutôt le patrimoine de l'homme noir. Quel message spécial aux Africains? Quel conseil? Que devons-nous faire? Qu'est-ce que vous nous dites? Oui, c'est notre patrimoine. Et pourquoi encore? Alors, si on vous laissait le champ libre pour essayer de répondre aux questions que nous ne vous avons pas posées ici, que diriez-vous? Je crois que c'est en atterrissant que nous allons faire l'essentiel pour que vous puissiez avoir au moins l'idée de la pensée que nous voulons transmettre au travers de ce thème, la Bible, un patrimoine de l'homme noir. Toujours dans Ésaïe 18, 19, là, il y a quelque chose que la Bible fait allusion ici au verset 18. Il dit, en ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées, et l'une d'elles sera appelée
la ville de destruction ou bien la ville du soleil. Alors, donc ici en Afrique, les prophéties annoncent qu'il y a 5 villes qui vont parler hébreu, mais la particularité, c'est que le serment sera fait au nom de l'Éternel. Vous avez fait allusion ici, pourquoi l'Amérique, pour prêter serment, ils sont obligés d'utiliser la Sainte Bible. Alors ils sont scientifiques, il ne leur manque rien. Ils sont tout puissants. Non, ce n'est pas parce qu'il leur manque rien, parce qu'ils savent que ce qu'ils sont devenus, c'est à partir des vœux, des alliances qui se sont faites avec cette Bible-là. Mais voyez-vous, ils ont emprunté cela. Mais ici, chez nous, ce n'est même pas un emprunt. C'est une prophétie qui dit que le serment serait fait au nom de l'Éternel. En fait, c'est ce qui devait être fait. Une disposition divine. Mais ces choses-là, cette alliance-ci, existait depuis la nuit de temps. Je prends un livre ici de 1776, écrit par l'abbé Proya. Histoire de Luango, de Kakongo et autres royaumes d'Afrique. C'est pour vous montrer que cette affaire de prier, de croire en Dieu, n'est pas étranger à l'homme noir. Nous connaissions Dieu, nos aïeux connaissaient Dieu. Mais nous avions été dupés. Nous avions été, comment dire, mentis, abruti, et dans cet abrutissement-là, ça a amené le rabaissement. Et donc, la seule façon de se relever, effectivement, il faudrait que nous puissions retrouver ce même niveau que nous avions, la même alliance, les mêmes approches que nous avions avec notre Seigneur. Ici, l'abbé Praya commence à parler de la religion du royaume Congo. Et on est en 1776. On est en 1776. Quand se livrait. Oui. Il était à Pointe-Noire ici, au pays de Maluango. Où nous nous trouvons ici. Oui, il dit que ces peuples, pour ne pas exposer leur religion au mépris, sont très réservés à en parler aux Européens. Et ce n'est pas par le long séjour que les missionnaires ont fait auprès d'eux qu'ils ont découvert, au moins en partie, ce qui fait l'objet de leur superstition, c'est-à-dire de leur déification, de leur croyance. Ils reconnaissent un être suprême qui, n'ayant point de principe, est lui-même le principe de toute chose. Ils croient qu'il a créé tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de bon dans l'univers, qu'étant juste par sa nature, il aime la justice dans les autres et punit fermement la fraude et le parjure. Donc, nous avons ici la racine, la base même de la croyance dans le royaume Congo, qu'ils croyaient en un Dieu créateur, un Dieu de justice, un Dieu qui punit la fraude et qui punit le parjure. Dans notre essence, dans nos gènes, en fait, la fraude est punissable. Le parjure est punissable. Conformément à ce qui est écrit, ils jureront par l'Éternel. Monsieur Alexis, tu es engagé à faire ce métier noble de journaliste sans éthique. S'il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de serment, tu feras comme tu veux. Ce serait le bazar. Et le Conseil supérieur de liberté de communication aurait rapidement, deux temps, trois mouvements, arrêté tout ça. Il le nomme le Nzambi. Ils prennent son nom à témoin de la vérité. Et il regarde le parjure comme un des plus grands crimes. Il prétend même que une espèce de maladie qu'il appelle Nzambien Pungu en est la punition. Et ils disent, en voyant celui qui est attaqué, voilà un parjure. Donc, voyez-vous que les bases que le colon est venu trouver
Ah oui. Chez nous. Il est venu les trouver. Qu'il n'y a pas de parjure. Tu es comptable. Tu vois le pas. Les écritures doivent être claires. Donc, s'il faut aujourd'hui mener des études, 5 villes dans le pays d'Égypte qui parlent la langue hébreu et qui jurent par l'Éternel, tu ne trouves aucune trace. On est même tenté de penser que c'est les États-Unis qui jurent sur la Bible. Alors que toutes les traces ont été détruites. Mais ici, sur ce plateau, cette vérité, cette lumière jaillit. Que si nos royaumes autrefois prospéraient, parce que la loi de l'Éternel y était appliquée. Voilà que nous interpellons votre conscience que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Rendez-vous compte que qu'on ramenait ces principes-là. Tous ces comptables, tous ces financiers voleurs, qui parjurent, qui trichent, qui manipulent les écritures, pour leur propre vente, pour leur propre intérêt. Et qu'on les transportait autrefois dans le royaume. Mais il y aurait des morts en cascade. Donc, il est important qu'il y ait une rééducation au travers des principes bibliques qui sont déjà inscrits dans nos gènes, qui par la civilisation occidentale n'est venu que pour nous éloigner de cette base-là, il faut réveiller ces gènes, il faut réveiller ce génie, il faut réveiller effectivement cette crainte. Elle n'est pas partie, elle est endormie. Et il faut un message, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et c'est cette éducation. Bien qu'on peut rater peut-être avec notre génération, la vôtre, mais qu'on rattrape la génération à venir, en les inculquant les principes de base. Bien et sûr. On espérera que demain, nous aurons des élites qui vont rattraper le retard. Voilà, en gros, ce que je pouvais dire pour conclure. Le livre, est-ce qu'on peut nous le passer, Dr King? Il est là. Parce que reste à savoir si ce n'est pas Dr King et Dr Ake qui l'ont écrit. Avec ces deux-là, il faut s'attendre à tout. Mais en tout cas, ici, c'est démontré. Histoire de Luango, Kakongo et autres royaumes d'Afrique, 1776. Ils n'étaient même pas nés, ni leurs parents, ni les parents de leurs parents. Tous nous n'étions pas. Quand les Blancs que nous aimons beaucoup, l'un d'entre eux, témoin oculaire, a retracé ce qu'il avait vu objectivement. Et c'est là que Dr King bondit sur l'occasion, comme pour dire, voici ce que nous étions. C'est ça qui justifie le fait que le roi Léopold II disait au ciel, ils connaissent déjà Dieu, vous n'allez pas là-bas pour leur apprendre. Ce n'est pas ça notre objectif opérationnel. Nous, c'est les richesses, c'est les moyens, c'est la domination, c'est leur assujettissement. Trouver quelque chose pour les amadouer parce qu'ils ont Dieu. Écartez-les de ce Dieu-là en leur faisant croire qu'ils sont toujours dans le vrai, en voyant nos soutanes et nos sandales immaculées. Ils vont penser que c'est ça l'évangile. Or, c'était l'autre évangile pour un intérêt égoïste. Aujourd'hui, conformément à la prophétie, nous revenons à la case départ pour retrouver l'héritage perdu, volé, qui devait être restitué. Parce que ce Dieu-là, qui avait blessé, c'est le même qui aujourd'hui toque à notre porte, à la porte de notre cœur, pour guérir. Comment dire non? Alors, docteur Aki, il nous reste très peu de temps, mais on vous accorde de vous déployer peut-être sur une dizaine de minutes, d'accord, sinon de tonner pour que, exceptionnellement, nous comprenions ce que nous n'avons pas compris, pour que vous répondiez aux questions que nous n'avions pas posées. Merci. Si on vous accordait 10 minutes pour vous déployer. Que merci beaucoup, chers auditeurs de la télé, de la DRTV. Merci d'avoir été patient envers nous et pendant toutes ces émissions qui se sont succédées. Nous en sommes à la 4e émission. Ici seulement. 4 ici. Oui, oui, ça fait 7. Autant pour moi. Je voudrais premièrement m'adresser à ceux qui reviennent de façon récurrente en nous envoyant des messages et selon lesquels
le fait que nous parlons seulement de la race noire, ça veut dire que nous sommes racistes. De vrais racistes. Voilà, je vais. Vous êtes comme Peter, voilà une question que quelqu'un m'a envoyée par WhatsApp sur mon téléphone. Il dit, ne pensez-vous pas que votre thème va dans le sens du racisme? Tout simplement parce que le thème dit, la Bible est un patrimoine de l'homme noir. En fait, je n'en veux pas à nos frères qui raisonnent comme ça. Seulement, je voudrais les recommander de commencer à se cultiver. Parce que c'est le manque de culture qui amène les gens à s'exprimer de la sorte. Je vais lire quelques passages des gens que vous célébrez tant. Les blancs qui sont vos dieux, vos divinités que vous adorez tant. Je vais lire quelques phrases de certains d'entre eux. Qu'on retrouve même les noms sur nos écoles dans les, oh non, ben, comment dire, Saint John Vorster, Saint Montesquieu, et EPP Montesquieu, Collège Moderne, Victor Hugo, et tout ça. Vous allez entendre ce, oui, vous allez entendre ce que ces gens-là, ces hommes-là pensent de nous. Ils pensaient de nous, Africains noirs. Regardez, John Vorster dit ceci. John Vorster, il a dit ceci. Notre objectif principal, c'est d'avoir une Afrique sans les Africains. Et une Afrique sans les Africains deviendra un paradis terrestre pour l'homme blanc. Vous qui ne comprenez pas ce qu'on appelle le racisme, voilà le racisme. John Vorster dit que l'objectif, c'est-à-dire l'objectif principal, il dit bien notre objectif principal, nous là, il parle de qui? De tous les blancs. Tous les blancs, tous les occidentaux. Religieux ou pas, qui viennent tourner autour de nous, qui font semblant de nous aimer, ils ne nous aiment pas. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il dit que leur objectif principal, c'est d'avoir une Afrique sans les Africains. Car une Afrique sans les Africains sera pour eux un paradis terrestre pour l'homme blanc. Voilà ce qu'on appelle le racisme. Deuxièmement, Montesquieu qui a existé en 1600, de 1689 à 1755, voilà une des phrases phares de Montesquieu. Il dit ceci. Que les Africains aiment beaucoup. Il dit, on ne peut se mettre dans l'idée que Dieu qui est un être sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps noir. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes. On commencera à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. Ça veut dire Montesquieu se réclamait de chrétien et en tant que chrétien, il lisait la Bible, mais il regardait les hommes noirs pour dire que l'homme noir n'a pas d'âme en lui. Dieu qui est très sage. Que Dieu qui est très sage ne peut jamais se permettre de mettre une bonne âme dans un corps aussi noir que l'Africain. C'est ceux-là que vous croyez, que vous pensez être chrétiens. Ils sont tellement chrétiens que c'est eux leur parole que vous devez dire amen. Et ce que nous on dit là, comme on est nous, vos frères, on est noirs comme vous, effectivement on n'a pas d'âme alors. De quoi est-ce qu'on nous parle là? Vous ne comprenez, vous ne savez même plus distinguer la gauche avec la droite. Vous ne savez pas ce qu'on appelle racisme. Allez demander à Peter Botha d'Afrique, ex-président de l'Afrique du Sud, il vous dira ce qu'on appelle le racisme. Je vais lire encore un autre avant de pouvoir terminer. Victor Hugo, que tout le monde connaît. Il y a combien d'écoles à Brazzaville ou à Pointe-Noire? Des dizaines. En Côte d'Ivoire, dans Victor beaucoup Hugo. De dans Victor tous Hugo. Les pays africains, collège Victor Hugo, école supérieure Victor Hugo. Écoutez ce que Victor Hugo pensait de l'homme noir, ce qu'il disait, ce qu'il croit de l'homme noir. Il dit ici, que serait l'Afrique sans les blancs? Rien. Un bloc de sable. La nuit, la paralysie. Des paysages lunaires, l'Afrique n'existe que parce que l'homme blanc l'a touché. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ça là c'est vrai?
Victor Hugo dit que l'Afrique n'existe que parce que l'homme blanc l'a touché. Quand nos ancêtres noirs construisaient les pyramides, le blanc était où? Ah! Si l'homme blanc est tellement intelligent que c'est lui qui civilise les autres nations, y compris les Africains, pourquoi n'ont-ils pas pu reproduire simplement une seule pyramide de ce que nos ancêtres ont bâti? En tout cas, ils ont tenté, mais ça a échoué. Et qu'ils continuent aujourd'hui d'étudier, ne connaissant même pas la technique que nos ancêtres ont utilisée pour bâtir ces pyramides. Et c'est vous qui mettez les noms des gens comme ça, comme sur vos écoles, sur vos hôtels. En réalité, des esclavagistes. Des esclavagistes, des racistes, des ségrégationnistes, des satanistes, des démons. Et vous les célébrez. En même temps. Vous les célébrez. Et quand les gens comme nous, on vient pour vous dire la vérité, c'est nous que vous traitez de racisme. Qu'est-ce que vous appelez racisme? D'abord, toi qui m'as posé cette question-là, on se connaît bien. Je vais te toucher pour te dire même que William Branham, que tu dis croire, c'est William Branham qui est le premier à parler des races. Et Branham dit, je te dis maintenant, il faut bien écouter ce que Branham a dit. Branham dit que l'homme noir a plus de 1000 qualités que la race blanche ne peut jamais avoir. Il était blanc et puis il dit ça. Parce qu'il était touché par l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité. Et il a dit que la race noire a plus de 1000 qualités que la race blanche ne peut jamais avoir. Et il dit encore que l'homme noir est plus spirituel que l'homme blanc. Maintenant, quand il parle de l'homme blanc, écoute bien ce qu'il dit. Va, comme tu es un croyant, va lire tes brochures. Tu vas trouver. Je ne te donne pas les citations. J'ai ça ici. Mais je te l'ai. C'est trop facile là. Vous aimez qu'on dise Branham a dit ici, il a dit ici là. Non. Va lire. Il dit maintenant, quand il parle de l'homme blanc, il dit l'homme blanc est un renégat. Il dit partout où l'homme blanc va, le péché l'accompagne. Il dit la race blanche est la race la plus meurtrière de toutes les races qui sont sur la terre. Ça, c'est William Branham qui dit ça. Si ça là, pourquoi tu ne le taxes pas de raciste? Pourquoi tu ne le taxes pas de raciste? Moi, je suis en train de te dire simplement que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Et où est le racisme dans ça? De dire que cette couture, cette couture-là, cette sorte de texture-là, ça appartient aux Africains. Ah. En quoi est-ce que c'est du racisme? De dire que la veste que mon frère porte là, que c'est une culture occidentale. En quoi est-ce que c'est du racisme? Vous mélangez tout parce que vous refusez d'étudier. Vous refusez de vous cultiver. Cultivez-vous, s'il vous plaît. Le racisme, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, le racisme. Cherchez le racisme ailleurs. William Branham a parlé sur les races. Et il a dit ce que vaut chaque race. Si vous, avant de me taxer de racisme, il faut le taxer d'abord de racisme lui-même. Il était blanc et puis il a eu le courage de dire ces choses. Ah! Voyez-vous? La Bible est un patrimoine de l'homme noir parce que... Ah! Et vous allez atterrir par là. La culture biblique qui est écrite dans les Écritures depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament est bel et bien la culture calquée des Africains bantous que nous sommes. C'est pour ça que j'ai dit, même on trouve les noms des Africains clairement dans la Bible, dans l'Ancien Testament, chose qu'on ne peut pas trouver chez les Blancs. Rien du tout. On n'en trouve pas chez les Blancs. Je vous ai parlé d'un peuple en Côte d'Ivoire qu'on appelle les Bété, et qui s'appelle les Coré, qui s'appelle les Dodo, qui s'appelle les Abi, qui s'appelle les Tadé, qui s'appelle les Maka, qui s'appelle les Miaka. Tous ces noms que je suis en train de citer sont dans la Bible. Et au Congo ici, on a aussi les Tiba. Les Tiba qui sont dans la les Bible. Les Tiba qui sont dans la Bible. Les Miaka aussi. Les Miaka aussi. Il n'est pas seulement directeur de cabinet du chef de l'État, mais son nom est enraciné dans la Bible. Et les Dodo là, il n'y a pas que qu'en Côte d'Ivoire, il y a les Dodo en RDC. Les Dodo sont en RDC. Les Miaka sont ici au Congo-Brazzaville. Et il y a des Miaka en Côte d'Ivoire là-bas. Ce sont des noms de famille, ce n'est pas des prénoms.
que les gens ont pris. Ce sont des noms de famille de génération en génération. Alors comment on peut être impliqué dans la Bible comme ça et vous nous dites que ça ne nous appartient pas. Et la moralité même de la Bible est la moralité de notre propre peuple. Et les blancs qui ont détenu la Bible pendant près de 2000 ans, ils n'ont rien qui les concerne dans cette Bible-là. Ils sont homosexuels, ils sont, comment on appelle ça, ils sont dans la zoophilie. Ils sont dans la zoophilie, ils sont dans tout, c'est tous les vices du monde entier. Un homme qui marie une femme, il laisse son propre fils prendre ça. En Afrique, vous ne trouverez nulle part quelqu'un faire ça. Un homme marié sa propre mère, vous ne trouverez dans aucune tribu africaine ce genre de choses. Docteur Ake, Docteur King, il vaut la mieux Bible que... est un patrimoine de l'homme noir. Lisez votre Bible avec des yeux décolonisés. Très bien. Il vaut mieux que nous arrachions la parole, mesdames et messieurs, parce que le tsunami de la vérité continue à se déverser de plus belle et d'autres vagues arrivent encore. Ces deux-là, nous n'avons même pas fini de poser toutes vos questions. Qu'il y a déjà eu, comme qui dirait, à boire et à manger pour nous écraser. Mais ils n'ont encore rien dit. Toutes vos autres questions, ici ou ailleurs, nous verrons réponse. Et c'est ici, pour atterrir, que nous nous rappelons que de grands intellectuels, comme le professeur Elikia Mbokolo, d'avoir entendu un fils du terroir à son époque, en plein colonialisme, brandir la Bible et dire, lisez la Bible, et vous allez trouver le voleur et l'objet volé, de l'avoir entendu dire, démontrer, soutenir ça, Elikia Mbokolo écrit, Simon Kimbangu, libérateur de la race noire. Mais il a fait de la Bible notre patrimoine. Et d'avoir vécu ça, le professeur Théophile Obenga, lui-même à la conférence internationale sur ce fils de chez nous, dit, c'est un grand homme. Et comme disait le docteur King, il n'a qu'à taper sur Internet pour retrouver tout ça. Et pour comprendre que nous n'inventons rien. Au moment d'atterrir, si vous nous taxez de raciste, démontrez-nous par A plus B, en tapant sur Internet, en ouvrant YouTube, qu'il y a des blancs qui démontrent bibliquement que Dieu est blanc, que Jésus est blanc, que Marie est blanche. Et alors, nous croirons. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.